C'est très frustrant, je pense, lorsque vous gagnez 1-0, vous prenez un but à domicile dans les dernières minutes. On a la rage, hein, là. Surtout que c'était le premier match, vendredi soir, on aurait gagné, on aurait été tranquille tout le week-end. Maintenant, voilà, il faut vite se remettre la tête à l'endroit, récupérer, bosser, et voilà, on va avoir de gros matchs qui arrivent, faudra être prêt. Je pense qu'on n'a pas été assez tueur, un petit peu, il nous a manqué ce côté un peu plus tueur dans les deux surfaces d'ailleurs, parce qu'on prend un but dans les dernières minutes. Et c'est vrai qu'on sait que dans ce genre de match, si vous ne mettez pas le deuxième, après c'est compliqué. Mais malgré ça, voilà, on se doit de rien lâcher jusqu'au bout. On ne peut pas encaisser ce genre de but, surtout que ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Ça se répète un peu. Et j'espère qu'on va vite apprendre si on veut rester en haut, parce qu'on gaspille des points. Ils ont de la qualité, c'est une équipe qui va très vite en transition, on l'a vu, hein, dès qu'ils récupéraient un ballon, ça partait très vite. Mais voilà, j'ai surtout aimé l'attitude des coéquipiers, parce que malgré ça, des fois on est en infériorité numérique, on s'est battu comme des lions tout le long. Et c'est vrai que c'est tellement rageant de prendre un but comme ça sur un coup de pied arrêté.